Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Marie porte des vêtements rouges et verts. Le rouge est le symbole de l'amour qui va jusqu'au martyre. Si aujourd'hui Marie est si puissante que ses vêtements sont parsemés d'or, c'est parce qu'elle a aimé Dieu et les hommes jusqu'au sacrifice d'elle-même. Le vert nous signifie qu'elle est la source de toute notre espérance. Elle nous a donné Jésus, continue de nous le donner, nous réconcilie avec lui. Ses vêtements sont de la même couleur que ceux de Jésus, car elle lui est configurée. Elle a collaboré à la rédemption en s'unissant à l'offrande que Jésus a faite de lui-même pour la gloire du Père et le salut du monde. Les mains jointes de Jésus et de Marie signifient que notre rachat est l'œuvre de leur union de cœur. Elles nous rappellent aussi que nous devons collaborer à notre salut. En effet, Dieu fait l'essentiel, mais ne nous dispense pas d'y ajouter notre modeste contribution. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, donnez-nous un cœur reconnaissant pour le grand don du salut. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, toi, noble servante.
Premier mystère douloureux, l'agonie à Gethsémani. Le soir du jeudi saint, alors qu'il entre en agonie, Jésus dit à ses apôtres, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Tous s'enfuient et abandonnent Jésus. Ils n'avaient pas assez prié, pas assez veillé. Ils ont dormi, rompus par la fatigue. Jésus, lui, ira au bout de sa passion et en sortira victorieux, car il a veillé et prié toute sa vie pour ne pas succomber aux tentations du démon à l'heure cruciale de notre rédemption. Notre-Dame du Perpétuel Secours nous montre Jésus, impressionné par les instruments de la passion, mais le visage ferme et décidé. Il redoute la souffrance, mais reste déterminé à réaliser tout ce que le Père lui a commandé. Jésus s'est préparé à sa passion pendant toute sa vie. Marie, qui n'ignorait rien des prophéties sur l'homme des douleurs, sur le serviteur souffrant, s'est également préparée toute sa vie à consentir à l'offrande de Jésus de lui-même. Pour surmonter l'épreuve de la passion, tous les deux ont accepté de faire de leur existence un long martyre. La passion n'a pas commencé le soir du jeudi saint après le souper, mais bel et bien le jour de l'Annonciation, aux premiers instants de l'incarnation du Verbe éternel. Et selon les mots de Blaise Pascal, l'agonie de Jésus se prolongera jusqu'à la fin du monde. Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, donnez-nous assez d'humilité pour comprendre et accepter que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, qu'il nous faut tendre la main pour tout recevoir de sa bonté. Donnez-nous de ne jamais déposer les armes de la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. La foule réclame la mort de Jésus. Pilate le sait innocent des crimes dont on l'accuse. Pour amadouer la plèbe, Pilate le livre aux soldats pour qu'il soit flagellé. Jésus devient un chef-d'œuvre de torture. Des révélations de sainte Brigitte, nous tenons que Jésus a reçu 5480 coups en son corps et que sa chair partait en lambeaux. Sur l'icône, Jésus porte un manteau rouge, rehaussé d'or. Les dorures figurent ses plaies glorieuses, un trésor fabuleux, car elles nous ont valu le salut. Marie porte une tunique rouge, sous son manteau noir, pour signifier que, par une grâce particulière, elle a éprouvé dans son âme tous les coups que Jésus a reçus dans son corps. Notre-Dame du perpétuel secours nous rappelle que les plaies de Jésus sont les marques glorieuses de l'amour de Dieu. Elles sont notre trésor. Nous pouvons y puiser sans fin pour obtenir de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Et plus encore. À Marie-Marthe Chambon, Jésus dit : Avec mes saintes plaies et mon sacré cœur, vous pouvez tout obtenir. Il lui recommande de prier sans relâche, deux invocations qu'il lui enseigne : Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Il explique : Mon Père se complaît dans l'offrande de mes sacrées plaies
et des douleurs de ma divine mère. Offrir mes plaies au Père éternel, c'est lui offrir sa gloire, c'est offrir le ciel au ciel. Voilà de quoi payer pour tous ceux qui ont des dettes. Car, en offrant à mon Père le mérite de mes saintes plaies, vous satisfaites pour les péchés des hommes. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, rappelez-nous toujours tout ce que nous avons coûté à Jésus. Aidez-nous à ne pas gaspiller les fruits de la rédemption. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Jésus est le roi des rois. Tout lui est soumis. Pourtant, il vient à nous dans la tenue du serviteur, se livre aux mains des pécheurs qui le mettent à mort. Pour toute couronne, on lui impose un casque d'épines. Son manteau royal est une chlamyde rouge, son sceptre un roseau. Jésus est un roi d'humilité. Qu'adviendrait-il de nous s'il était autrement? Sur l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous observons que ni Jésus ni Marie portent de couronne. Leur visage est simplement auréolé. Ils forment un couple royal, humble, soumis à la volonté du Père, au service du royaume et de notre salut. Celui qui s'élève sera abaissé, nous dit Jésus. Il disperse les superbes, il élève les humbles, ajoute Marie. Jésus a choisi la dernière place en cette vie. Aussi, il a été exalté par le Père dans l'autre. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, donnez-nous de désirer vous ressembler. Obtenez-nous l'humilité de cœur et d'esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Simon de Cyrène est réquisitionné pour aider Jésus à porter la croix de notre salut. Il n'a pas été choisi par hasard. Jésus l'a élu de toute éternité pour être là et lui rendre ce service. Comme lui, nous sommes appelés à contribuer par nos œuvres de foi à notre salut et à celui de toute l'humanité. Notre participation à sa passion est dérisoire, mais Jésus en fait un élément déterminant, majeur, décisif de notre salut. Notre participation est comme la petite goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice de vin pour l'offertoire de la messe. Sans elle, le sacrifice eucharistique ne peut être offert. Sur l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous voyons Jésus s'agripper à la main de Marie. Il lui manifeste ainsi qu'il a besoin de son concours pour notre rédemption. Par Marie, qui nous représente tous, Jésus nous signifie qu'il respecte notre liberté et que le sacrifice auquel il consent sera sans effet sur nous si nous n'en accueillons pas les fruits. Jésus craint davantage notre refus d'accueillir le salut qu'il s'apprête à nous conquérir, qu'il ne redoute la souffrance qu'elle induit
pour lui. Marie, quant à elle, nous appelle du regard. Elle nous invite à aider Jésus à porter la croix du salut. Elle cherche des âmes généreuses comme elle l'a été elle-même pour aider Jésus à sauver les âmes. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, donnez-nous de ne pas rester sourds à vos appels. Arrachez-nous à nous-mêmes et donnez-nous à Jésus pour la plus grande gloire du Père et le salut de tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Cinquième mystère douloureux, le crucifiement. Alors qu'il est sur le point de transmettre l'Esprit, Jésus nous confie à sa mère présente à ses côtés, au pied de la croix. « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples qu'il aime « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Jésus enseigne ce qu'il pratique. Pendant toutes les années de la vie cachée à Nazareth, il s'est soumis à l'autorité maternelle de Marie. Avec la vie publique, sa relation à sa mère a changé, mais il n'a jamais repoussé ses demandes, comme nous pouvons le constater aux noces de Cana. Sur l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous voyons Jésus chercher refuge dans les bras de Marie, nous montrant ainsi le chemin qui conduit à son cœur. Entre ses bras, sur son cœur, là est sa place, là est aussi la nôtre. Ses bras sont assez grands pour accueillir tous les rachetés. Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous êtes notre mère par la volonté expresse de Jésus. Donnez-nous de nous comporter envers vous comme Jésus l'a fait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.